Bonsoir, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur, votre émission préférée. Aujourd'hui, le coup de projecteur Epeli Makasina Mogabengi, Afrique du Sud, où je suis résident, précisément à Johannesburg. Il semble que le message là qui de bouche à l'oreille, n'est pas toujours d'habitude, réseaux sociaux et comment on s'en bat tout. Mais apparemment, le genre n'avait pas pris l'ampleur. Il y a gravité, il y a problème. Et bien, depuis, entre mercredi, jeudi et vendredi, à niveau, il y a Pretoria, où un sujet nigérian, Aboma, qui est un taximen sud-africain, le raison pour que le nigérian tue le sud-africain, on ne sait pas. Mais, entre guillemets, Namboga, le Sud-Africain a zozoa étranger le col à papier hygiénique qui est à utiliser. Donc, il y a beaucoup de même si c'est la faute. Donc, beaucoup de rien. Voilà tout, c'est parenthèse. Mais à partir il y a samedi, dimanche, il y a eu des spéculations où les gars qui n'a pas réseaux sociaux, comme quoi que le Sud-Africain s'est décidé à qui que en finir avec. Les étrangers dans leur pays. La précision est venue le soir par RFI qui avait fait un point dans le journal hier soir pour dire que le Sud-Africain Balingi va en finir avec les étrangers. Quand RFI déjà arrive à publier un tel journal, c'est que ça dit investigation. Place ba question mark ba question ba niwana. Lundi Natongo bateau balaki prudent babima quitté babaki imprudent au bagne pe otika bana na bango na ba classe na imprudence sort na bango baki parce que moto et pelaki awa précisément na ville ya Johannesburg au biso zali sikoyo bato baki mbambango le sud africain bande ko na biso ba africain au bagne bango ba sud africain. Ils ont tué des gens. Nambeli, ceux qui n'ont pas Kofi, Batumi Batu, dont les images, Bozomona, peut-être Nengizole Gelabinoana, Naba Obamona qui déjà avant. Je crois que vous êtes informés. Bakei qui s'attaquait Naba commerce, Yabandeko, Nabiso, Bafricain, Oyoba ciblé Mingi, Awa commerce, Mingi Zali, pas Bandeko, Nabiso, Ba. Na ba shop ezali ba éthiopien voilà ba indo-pakistanais ba tumbi ba shop ya ba ndeko wana en plus il y a des shops aussi ya ba nigérian et puis ba nigérian baza awa na ba garage ya kotekaka ba mituka vous vous imaginez que mutu lokola sendo na biso ya Congo wana na limité wana o bateka ba mituka donc mutala par exemple na 25 mutuka to 30 mutuka na ye. Batoubaye batumbi yango nyonso et la personne regarde comme ça. Ce qui moutouana azala ki na backup te azala ki na kobombate même ata soka bombaki ko tumbi la moutou déjà 3 à 4 à 5 minutes ou ka c'est déjà trop mais soka ki na plus de 15 pour t'en piquer crise et ba film bo moni ba neko na biso ba africain ce ne sont pas de films montés, ce sont de choses réelles qui se sont passées ici en Afrique du Sud. Wana lundi. Na état oezali responsable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bako alerter la police to l'armée. Bako yaba maîtriser situation. Oyo na mboka na biso benga ka mboka ya salité to mboka ya buzo balokwa Congo. Mais na Congo ndire to monaka tant que population alingi à côté na à côté tina niveau ya ko déstabiliser économie ndenge wana to monaka ndenge peut-être basalaka. Mais on dirait ton nom na bombi mabe. Fada na Congo, mais bima libanda après à comprendre, moi moukie, ata moukie avantage ya Congo. La police, azaki wana, donc, azo kosa lo kwa do pek sa population, mais en réalité, azo tin na bande kona bango, basala ou basala, parce que eza déjà, tobe yango kop. Parce que bande ko laka biso ba étranger, depuis kalake, baza na posa na biso awate. Il nous accuse de quoi? C'est sud-africain. Malobi ki te yobo to la bango, misala na bango.
balobi que tu es qu'au matin trop de criminalité, balobi que tu es pas criminel, tu es qu'à drogue, voilà beaucoup de drogue beaucoup plus ciblée, ils allaient beaucoup bas Nigérian, et puis bah marmobile bah accusé biso awawa. Alors tolali lundi, na boutu ya lundi na mardi, na bandeko bah fidèle abonné ya coup de projecteur bah talangai, oh bah fan en Afrique du Sud, précisément la Djobour, bah ebi oh bah bengi Betrams, bah ebi Trioville, bah ebi Kensington. Nous avons fait une vidéo à partir de Yuville, na Yuville, ou bien à Yuville. Betrams na Yuville, les alliés musicaux. Na Boutou, ya lundi na mardi, bah coup de feu et salamaki, ya makasi, ou bah Nigérian, bah qui mécontent de bah tout maki bilou, bah ne qu'on a bango. Insécurité na maîtrise, ou na sécurité, t'as qui ti mardi na tongo. L'État a l'obac et le côté. Na même moment, wana, na Alexandra. Ba boma ki sou batou, ba piye ba magasin ya batou, na Alexandra, oye bat ba fanda na amboka o ba ebi ma vlansolo ba. Na zan nan dekona ngay moko, oye na fanda kane za vwase nan ngay, akenda ki mousala, mardi, to kanta ki situasyon ou sa amelore, ba ke ba zoni si bango, paske y ave pa sirkulasyon, ba komers da ki kasimon ferme, 99,9% des magasins n'y ont ce qui ferait parce qu'ils allaient détenus par les étrangers. Les Sud-Africains n'attendent pas allaient vraiment dans les magasins. Ils étaient obligés de rentrer. Bazongi, il y a eu des affrontements. C'est alors que leur président a eu la déclaration l'après-midi à mardi. Donc, lundi, Kobanda Tongo, Babomi Batu, Batumbi Batu, Batubaziki. Loko la ba bango balinga mingi kolia misunia donc ba kanisa ki ba misunia ba tuza loko ba ngombe ba bomaka ba batalo ba fima ya shaka zubo non ma fima shaka zulu tse na ba notse ba corne ba damaka ne misuni trop parce que ba kanisa ki misunia ba tuza loko ba misunia ba ngombe ils ont tué des gens ils ont détruit de magasins de gens ici ba zongi si ba tumsu ba nul lundi leki mardi tongo tipo quoi après-midi ndé Le président sud-africain a eu sa déclaration, dont Tobiango a eu sa déclaration à Sony. Pourquoi Tobiango Sony? Tobiango Sony parce qu'il y a eu des réclamations, il y a eu des condamnations de par le monde. Il y a autant que le peuple sud-africain est un peuple stupide. Même à Tabasana, qu'on réclamait, il y a eu comme un réclamation dans la bassin sauté. L'histoire nous rattrape, on dirait. L'apartheid, pour ici la Namboka, au Babengi Sud-Afrique, il y a eu des présidents africains, au Babengi ba étrangers, ba président étranger, ba Kotaki Makambu Oyo, à l'occurrence, le président de mon pays, qui était à l'époque le Zaïre, le Lekomi Congo, Ezara Congo, à l'époque Zaïre, et donc sous Congo, comme on a eu président Mobutu, c'était Kokoumbe Ndouazabanga, ba Kotaka Makambu Oyo. Ou à histoire à Ebi. Pour que l'apartheid ici dans la Mboka ou à Bengi, South Africa. Mobutu a bundaki pour que Nelson Mandela a dans la Libana et la prison, ça fait 27 ans et emprisonnement. Aujourd'hui, le même étranger, ou à bundaki pour Basunga, Mboka ou à Bengi, South Africa, ils sont considérés comme des chiens. Chers frères africains, chers frères congolais, Il y a Congo, Nabisso, il y a Europe, il y a Congo Brazza, du Mali. D'abord, je veux faire un message en français pour que certaines personnes qui ne comprennent pas le lingala puissent me saisir. Chers frères et sœurs africains, l'Afrique du Sud nous prennent, Africains, autres que le Sud-Africain, comme des chiens, ici dans ce pays. Les images que vous avez vues, ce sont des images vraies. On a tué des gens ici. Ils ont brûlé des gens. On a calciné des commerces de gens, de paisibles citoyens, de paisibles citoyens ici en Afrique du Sud, ici. Et les images que vous avez vues, ce ne sont pas des images montées. Et cela se passe ici sous l'œil de la police sud-africaine qui ne fait absolument rien, qui ne réagit pas. Et le président sud-africain réagit le mardi dans les après-midi pendant que le désordre avait commencé déjà la semaine passée. Et il y a eu éclatement ici dans la ville de Johannesburg le lundi et mardi dans les après-midi que le président
Cyril réagit. Et moi, je condamne et je dis que cette réaction, c'est une réaction de honte parce que le monde entier a condamné ces actes de barbarie. Alors, ce que nous demandons à la population, à tous les Africains, que nous devons être soudés par rapport à ce que le Sud-Africain veut nous faire voir. Le Sud-Africain se croit être des Européens. Non, la construction que nous voyons, c'est l'Afrique du Sud, ce n'est pas les Sud-Africains qui l'ont fait. Ce sont des colons, ce sont des Européens qu'ils ont chassés ici, en Afrique du Sud, qu'ils ont fait ça. En réalité, ce qu'on peut vous dire, nous qui vivons ici, dans ce pays, on peut vous dire que les Sud-Africains, ce sont des peuples paresseux. Donc, nous sommes victimes de la jalousie. Pourquoi? Parce que eux ne se focalisent que dans la bière. Ils sont ivres à tout moment. Et quand vous êtes ivre et que le poste que vous occupez est vacant et qu'une autre personne vient et qu'on trouve que cette personne est capable de comment d'occuper comment le poste, qu'est-ce que le boss peut faire? Il ne peut qu'embaucher une autre personne. Et nous sommes victimes de la jalousie. Et nos frères sud-africains, qui sont aussi dans mon pays, qui est le Congo, ils sont nombreux dans les Katanga, dans le mining, dans le minerai là-bas au Katanga. Nous lançons un appel que le Congo, le Congolais de la République démocratique du Congo, puisse se réveiller, le Congolais d'en face puisse se réveiller, le Malien, le Sénégalais, le Nigérian, des gens, Bazali, Bato, Bazali, très éveillés, et ils ont posé leur acte. Et le Sud-Africain doit comprendre que ce qu'ils ont commencé, ils n'ont pas si pour que Bassi Sango. Cette vidéo, c'est une émission spéciale que je suis en train de faire dans le compte de l'émission Coup de Projecteur, parce que nous devons projeter la lumière pour que vous voyez ce qui se passe ici en Afrique du Sud. C'est pire qu'à l'époque de Hitler, on dirait. Parce qu'en plein 21e siècle, on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui se comportent comme des animaux. Et le Sud-Africain, nos frères, nous, on leur appelle, on les appelle nos frères. Mais en réalité, eux nous considèrent comme des animaux, se comportent de la manière que vous n'avez pas l'idée, chers frères et sœurs de la diaspora, où que vous soyez, en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Australie, en Océanie. En tout cas, le Sud-Africain ne considère pas les autres Africains comme leurs frères. Parce que ce que vous avez vu là, ce sont des images vraies dont moi-même je suis témoin parce que je vis ici en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg. Et c'est déplorable. Nos mamans qui sont à Kinshasa, au Congo, qui ont leurs enfants, nos yaya, nos lé, qui ont leurs frères et sœurs ici en Afrique du Sud. Bazo Benga, on a eu des appels de partout, mais le gouvernement congolais, est-ce que vraiment Moussa Nabino Pena, on est beau salam? On a eu le voice de notre ambassadeur qui a connu toute la xénophobie, nous sommes en Afrique du Sud. Yazala a aibi intensité yema mosama agine na Congo babi aye le voice alika ba magina top Congo ayawa ya lobine lote donc congolais azanga mutu ya pacificité nebo ya mbaka kuna na Congo batu to ya mbaka bango mutena li papa na tongo mutena li papa na pourquoi comme na milliardaire na tongo mutena sans papier na 17 ans comme si est congolais awa biso to nyoko ma. Cette vidéo, il fait Ezala sonnette d'alarme au Ekola Moussa, tout Congolais là où il est, à l'obanon, la xénophobie, parce que Ezali inhumain, Ezali Boniama, Ezali et l'autre Ezali dans le 21e siècle dans la santé. Bandeko Nabiso, ban Nigérian Bakoufi, Bandeko Congolais Bakoufi, Bandeko Nabiso, ban Malien, Soubadon, Malien, to Sénégalais, to Malawi, to Zimbabwe, Akandeko Nabiso, Africain. Et le larme coule. L'Afrique pleure. Pourquoi? Parce que son propre frère, sa propre soeur, Azobo Mabande Konae. Et vidéo Ezali, vidéo Yassemote, Ezali, vidéo Yakanda. Jusqu'au moment où je vous parle,
La situation ne semble pas être maîtrisée. Si vous avez des frères ici en Afrique du Sud, demandez-leur. Peut-être ce qui nous a reçu, nous avons sonné, qui m'égoutera-t-il la semaine prochaine. Mais pour le moment, que personne ne vous trompe. Ce qui vous fait dans le quartier, vous avez dit, vous avez dans le quartier, vous avez dit, tout le monde a confié, vous avez dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et, Kobima, ça, il faut autant, voilà, je suis allé dans le cinéma, je suis allé dans le cinéma. Pour ce mouvement, il faut qu'il m'a dit, vous avez dit, et comme il a dit, le Congo est allé pays hospitalier pour comprendre l'importance du pays Congo. Bimana Libanda, surtout dans le pays sauvage, le quoi y a Niama, le quoi y a Afrique du Sud. Nous allons comprendre le pays importance du Congo. Et les Congolais, tout ça trop léger. On accepte tout le monde. Mais tout l'obité que Congolais comme monter ma bé. Tous allons monter ma souveraineté ma paix sa vie soit. Mais pour conclure, l'Afrique du Sud, Bazali n'a intention que aucun étranger afin na mboka na bango ba bi to zali ko lia mbongo na bango to za ko yiba bango misala to me bango trop to ya criminalité ba lobi to lote ke la bango ba drogue mais on dirait ta so mo tate ka drogue tu peux ou ne pas acheter bien qu'on l'encourage pas ils a pas si pe mawa ba autorité na biso bo mona pas de do mona so bat ba bimi di banda wa eza parce que bino bolo gérer mboka malamu te poso na za malamu na mboka langa je ne sortirai pas bo mona ka tango ba lo ba ka so ifachi a kota ka so 2 jours a bia te ba avion o te ba avion po ba osani na Congo bana ba bota miara bana mboka ye bina ye pas ya o bino benga sucre kuna na Congo il y a jus il y a ba cold drink na ay bien mote et c'est l'autre ya wa moi na somo ya McDo te na KFC te do akoli elo ko zango po ça mais bozo benga yi tanga ko na Congo moi na botami awa fufu tanga ko daja na problème bo tanga senga sko yo alia McDo kou na McDo pesa te ata bo kinete na Aldar alia so ki shawarma il a déjà problème donc ce qui batou baza ah baza ko résister pas bouger ils a contenu aussi la situation nabino ba autorité nabiso boza ko son nabiso te et puis pour épingler ceux qui battent le fanara ah ils en a bateau bala ba intouchable au baï bambon ya l'état soit par exemple bande ko faut ba biso to songa na mboka mais boté avion et puis mutenga matu pese quelque chose ba musu baza il faut amata atiki musala donc brusquement ba ici mutu kende songa Congo. Comprenez aussi la situation. Bandego na biso ya poto, ya États-Unis de partout, au boulot à la biso, l'heure est grave. D'ailleurs, de comment vous voyez le barana poto kuna au bahébi on a le barana. L'heure est grave. Les Congolais, en particulier les Africains en général ici en Afrique du Sud, bah la cible, en anglais on dit un target, il y a bah Sud-Africain. Suite, il y a xénophobie parce que on dirait intentionnellement bon, ceux qui suivent les alliés. On vous fera encore d'autres images. Mais pour l'instant, la vérité zali que jusque-là, qui m'est zalité jusque-là. Tout là, moukana kimia, ermo, bomoni, situation s'est dégradée. Priez pour nous, vos frères et sœurs qui sont ici en Afrique du Sud, partout, Cape Town, Deben, Babi, na Durban, Obing en français, Durban, Balaki, Bamouke. Parce que depuis ah on a Johannesburg bah mon boulet ça ma na Pretoria na Durban et ça mité ce que on a Durban et Zali bah bien en KwaZulu Natal qu'on a des fiefs et bazulu bah là qui bah mon que bah vous fiez pour la bah mon prier pour que bah ne connaissez pas ça pour na bah la protéger bah la save suite ce qui évolution et Zali tout est sabino mais toujours balancer bino condensé y a bah vidéo y a sauvagerie y a barbarie bande qu'on a vu ça bah tout bazar bah cœur sensible bah talaté et puis je chute par là tout en remerciant Madame Francine Guémé de la Belgique Congo Dialogue et bande qu'on a vu ça bah talarabiso l'Afrique du Sud bah kitissima y'a mis y a Afrique mobimbape y'a monde entier Nations Unies botal magamboyo Union Africaine botal magamboyo merci. Des manifestants sans